fais une courte vidéo pour vous montrer l'état de ma maison. Je n'arrête pas en ce moment de dégager des meubles, de commander des meubles à la place, de vendre les trucs que j'ai enlevés. Donc, je vais vous montrer dans quel état est ma maison et comment elle sera après. Mais là, vous le verrez quand tout sera fini, quoi. Oh putain, je suis morte. Je traîne des meubles. Après, je vais vous dire, ouais, j'ai mal aux hanches, j'ai mal partout. En attendant, ça muscle. Je vous laisse avec la visite, hein, ok? Alors, on va commencer par la cuisine. Hein. C'est d'une beauté. J'ai un meuble là, magnifique. Hein. C'est un truc que j'ai pris dans le garage. Donc voilà, là, j'avais des étagères. Je vous dis, j'arrête pas. Hein. Minables, noires, je les ai enlevées. J'ai rebouché les trous et j'ai repeint. Donc, ces meubles-là, ben, je les laisse hein, parce que je vais quand même pas tout changer. Alors, voilà le bordel, là. Le micro-ondes est là, mais il va pas rester là, hein. Voilà, là j'ai ma poêle avec du poisson, putain. Là, vous voyez, c'est magnifique, regardez le meuble là. Voilà, avec la poubelle, un sac poubelle dessus. Là j'ai mis ma bouilloire, mais c'est comme un genre de camping quoi, tu vois. Voilà, donc ça, voilà, là j'ai le droit de tourner vite, ce frigo, que je changerai peut-être un jour, je vais en prendre un blanc, hein, parce que j'aimerais bien que dans le fond, ce soit tout blanc, quoi, à un moment donné, hein, voilà. Et là, on est là. Alors là, j'ai cette pendule, j'en ai commandé une autre, hein, parce que je vais faire un style, pas bohème, un style scandinave, un peu, hein, voilà. Et là, donc on descend, voilà, oh putain, c'est magnifique, hein. Alors là, on y arrive. Là, il reste plus que la caisse de Mélodie, qui doit se demander ce qui se passe. J'ai un mur complètement vide. Bon, alors là, il fait un peu noir. J'avais un meuble ici, je vais vous montrer, vous allez voir où il est. J'avais un cadre de merde, là, je pouvais plus le blairer. Donc, j'ai tout enlevé, j'ai bouché tous les trous. Je vous dis, j'arrête pas, hein, voilà. Et là, je vous ai déjà montré le truc de là, je vais l'enlever, je vais le mettre ailleurs, je verrai, il me fait chier, ce machin. C'est pratique, hein. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est magnifique. On va passer à la suite. J'ai le seau, là, oui. Parce que je lave en même temps quand je dégage les meubles. On va passer à la suite. Alors, je vous laisse admirer mon magnifique couloir. Ça, c'est le meuble minable que je peux plus blairer que j'avais dans la cuisine. Donc, il est là, hein, voyez, hop. Je l'ai mis là en attendant parce qu'il est rempli. Et tant que mon autre meuble n'est pas monté, je l'ai reçu, le meuble de cuisine. C'est un grand buffet. Donc, il est là. Mais au-dessus quand même, on a un miroir classe. Hein. Il y a là. Ah, putain. J'avais un masque à la con, là, que j'ai enlevé. Le rideau, là, il va dégager, ce rideau gris. Je ne peux plus le blairer. Alors, vous voyez, le couloir, c'est classe, hein. Moi, je dois dire que là, le seau... Ben, attendez, hein. Quand on bosse comme ça, on peut pas avoir un logement décent, hein. C'est chic, hein. Voilà. Alors là, je vais quand même vous montrer. Mais là, attendez, je vous montre simplement ça. J'ai un carton parce que j'ai reçu une table, qu'il faut que je monte, d'ailleurs. Une table pour la cuisine, hein. Voilà. Donc ça, c'est vu, hop, on remet le rideau mouche, on va continuer. Bon, alors là, on arrive dans la chambre. J'ai enlevé ce putain de lit à volutes que je pouvais plus encadrer, mais je ne pouvais plus le voir. Donc j'ai fait ça toute seule, hein. J'ai enlevé le sommier, le matelas toute seule, t'inquiète, nickel dos, c'est pas grave, ça muscle. Et du coup, j'ai le sommier, le matelas par terre, voilà. Mais en attendant, moi j'aime bien, c'est bas. Donc là, il va falloir que j'achète un lit, voilà. Cette armoire là, bon, elle est là, oh, putain, elle me gonfle, hein, je peux plus la voir. Là, tout ce que vous voyez, là, tous ces petits trucs là, attendez, ça y est, c'est flou. Ah, tout ça là, ça va tout dégager. Hein. Voilà. Ce que je vais garder, ben, ça va être ces suspensions parce que je les ai achetées il y a pas longtemps. Je vais garder ce tableau là que j'aime bien. Là, voilà, ça, je suis là. Je suis une fleur parmi les fleurs. Ça, je verrai. Voilà, donc, vous voyez, hop, ça, c'est vu. Donc là, je vous dis, je vais dégager tous ces trucs. On me voit dans la vitre. Et là, alors, là, bon, ça, par contre, je ne touche à rien. Attendez, je vais essayer de reculer. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Là, par contre, tout ça, ça reste. Je ne touche à rien. Là, elle aussi, elle reste, là. Voilà, non, je vais pas la vendre. Hein. Non, pas pour le moment. Bon, puis elle décore bien, je trouve. Donc là, ben ça va rester. Cette pendule, elle va rester. Là, j'aimerais acheter un lit, vous savez, avec les chevets suspendus. Donc, si c'est le cas, ce chevet-là, je le mettrai à la place de ce truc en métal, là, que je peux plus blairer. Voilà, donc ça va rester comme ça. D'accord ? Ben, on va passer ailleurs maintenant, au salon.
Bon, alors là, le salon, lui, je ne vais pas le toucher, quitte à le canapé, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté. Hein. Donc voilà. Alors là, maintenant, vu que je n'ai plus de table dans la cuisine, je mange là. Alors je laisse la nappe, vous voyez, c'est du camping, quoi. Donc ça, ben, écoutez, quand la cuisine sera finie, je pourrai réintégrer ma cuisine. Parce que je prends toujours mon petit déjeuner dans la cuisine, moi. Donc là, ben, il y a la nappe, hein, le plateau, une bouteille d'eau, c'est incroyable. Et attendez, on va avancer. Voilà qui fait noir là, et je vous assure, il fait toujours sombre. Hein. Et là par terre, même là c'est en chantier. Là c'est une table scandinave que j'ai commandée sur Leclerc Maison, etc. Je l'ai payée 119 euros, donc il faut que je la monte. Et elle fait 75 cm de large. Et ça c'est pour mettre dans la cuisine. Et j'ai commandé les chaises aussi assorties avec les pieds en bois comme ça là. Ah ça bouge hein. Voilà donc ça bah, ça reste là en attendant hein, parce que je laisse la place libre dans la cuisine pour qu'on monte le meuble hein. Voilà donc là voyez là par contre attendez là j'ai tout fait il y a pas longtemps ça va rester comme ça hein. Le seul truc que je vais changer c'est cette merde je peux plus y voir ça là ça m'énerve ça. Et vu qu'il fait sombre, je peux pas trop mettre de plantes mais je vais essayer de voir peut-être que je mettrai une plante verte parce que ça franchement c'est pas un beau bouquet, quoi. Voilà, je peux plus le supporter. Donc, bon, bah, le salon et salle à manger, ça va à peu près. C'est sombre, hein? Oula! Voilà, c'est mieux. Ah, ben bah, là, c'est très sombre, là. Voilà. Bon, là, et regardez comment je suis. Regardez-moi, là. Ah, oh, la vitale nana, elle est trop classe, quoi. En pantoufles, et je vais. Vous croyez pas que je vais me mettre en tenue de soirée pour faire ce que je suis en train de faire, quand même, hein? Vous me voyez, là? Eh bah, ben, écoutez, hein. Oh, c'est sombre sans arrêt. On a fait le tour, hein. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Tiens, là aussi, il y a des trucs que j'ai enlevés du couloir. Ah oui, parce que c'est ça, attendez, je retourne dans le couloir pour vous expliquer. Le bouquet qui est là, il était, je me regarde dans la glace, putain, je me fais peur. Il était sur la console en argent que j'avais dans l'entrée. Et bon, le vase, il était à ma mère, donc je vais le garder. Les fleurs, je vais les dégager. Je peux plus supporter tous ces trucs à la con, là. Là, il y a plein de choses de famille que je donnerai à ma fille. Voilà, donc ça, c'est toujours la petite maison de qui? De Mélodie, hein. Et là, bon, ça, je vous l'avais montré, hein. Tout ça, bon, ça va rester, hein. Pour l'instant, parce que dans 4 matins, ça va me faire chier. Non, mais là, dites-moi comment vous trouvez. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc, ben là, on a toujours ce meuble. Oh là, putain, on a toujours ce meuble que je laisse là parce que la télé, elle est dans l'angle. Pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Non, mais le salon, je l'aime bien. Là, je vous ai amené dans le garage. Donc, c'est ça, je l'avance. Je ne peux plus blairer les trucs argent. Et alors, derrière, vous voyez le lit que j'ai tout démonté toute seule quand même. Il a fallu que je le nettoie. Ça m'a pris un temps. Là, ben, enfin, écoutez, tout est nettoyé. Tout est là, en attente. J'ai mis des annonces sur le bon coin. Et je ne sais pas si vous voyez. Et là, les cartons que vous voyez là, c'est le meuble de cuisine. Hein. Ah, il y a même de la peinture là-bas. Oh, j'ai tout mis en vrac, des trucs que j'ai enlevés. Il va falloir que je trie tout ça sur la putain, mais c'est fou ça. Et là, je vais vous montrer de l'autre côté. Tout ce que vous voyez là, je vais tout amener à ma fille, quelqu'un qu'elle connaît qui fait des vide-greniers, et elle lui vendra pour elle. Voilà, donc il s'en fait. Hein. Vous voyez, c'est ça les étagères que j'ai enlevées dans la cuisine. Je ne pouvais plus les voir. Hein. Même les cartons de déménagement, là, au cas où. Voilà. Là, bah, c'est des fringues hein, que je vends sur Vinted. Mais je mets pas mon lien Vinted. Et bouteille d'eau. Oh putain. Regardez, regardez. Oh, un jour, je le rangerai, mais pour le moment, je m'occupe de la maison. Je vous montre ma petite crotte qui me suit de partout. Mais alors, la pauvre, elle est terrorisée. Elle est terrorisée. Parce que dès que je déplace des meubles, elle va. Vous savez qu'elle sort du jardin. Il y a un trou. Et elle va carrément dans l'allée. Je suis obligée de la rappeler. On ne te voit pas, hein, t'es toute sombre, hein, fais voir. Moi, tu te dis, oh ben là, c'est carrément sombre. Regardez comme elle est belle. Oui, elle est terrorisée. Elle est peureuse, cette chienne. Moi, je pense qu'il y a eu un problème. Parce que c'est pas normal qu'elle ait peur comme ça. Hein, ma chérie, tu te demandes ce qui se passe, hein? Allez, va te coucher, ben va te coucher. Mais regardez-la, regardez-la. Regardez-la, elle rampe la queue basse. Oh là là, je me pose sur mon lit qui est très bas. Tiens, Bibine, tu viens? Tu viens? Non, elle veut pas. Tu viens? Non? Bon. Ben reste, hein. Donc voyez que je ne chôme pas en tout cas. Hein. Sans déconner, quoi. Alors effectivement, quand je fais des vidéos, là en ce moment. Il y avait de bordel. J'ai pas tellement le temps de regarder. Je mets beaucoup de temps pour regarder vos commentaires. Et je vous prie de m'en excuser, mais là vraiment, je suis débordée en ce moment. On peut dire que j'arrête pas une seconde, quoi. Alors maintenant, on passe dans la salle de bain.
Ce meuble-là, ce truc de merde, je ne peux plus le blairer, il va dégager. D'abord, ça me prend vachement de place, là. Il va foutre le camp, ce truc. Alors là, bon, ça, bon, ben là, il y a mon pare-douche. Là, voilà, le balai brosse, là. Et là, il y a des tas de trucs qui vont dégager. J'ai une pharmacie. Non, mais attendez, hop, j'allais tomber. J'ai cette pharmacie, là, je peux plus me la blairer. Regardez, des étagères à la con, encore un meuble à la con. Tout ça va foutre le camp. Je vais tout démonter, je vais mettre des trucs, ça, je vais la vendre, hein, et je vais mettre une colonne, là. Voilà. Parce que ça, non, mais regardez toutes ces merdes, quoi. Voilà. Une colonne, et au moins, je pourrais tout ranger, quoi. Voilà. Oh non, c'est insupportable, hein. Bien, donc là déjà, mais déjà quand je vais enlever ce putain de truc horrible, voilà, voyez la place qu'il prend là? Regardez. Alors là, au moins, je pourrais mettre ma poubelle qui est en plein milieu. Voilà, je vais pouvoir ranger convenablement, quoi. Donc lui, il va foutre le camp, mais alors vite fait, hein. Ce qui fait que le miroir que j'ai mis après, là, il est accroché après. Je le mettrai au mur. C'est comme cette pendule, là, je peux plus la voir. Et quand je vais enlever ça, eh ben le mur va être vide, là, hein. Ça va faire grand, quoi. Regardez, mais à quoi ça sert, ce meuble? Lui, il va dégager je vais le foutre aux encombrants parce que il est tout troué. Il est tout troué de partout. Voilà. Ah non, 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 mais là, c'est insupportable, hein. En attendant, par contre, mais il m'avait mis un très, très joli radiateur neuf, hein. Voilà. Un sèche-serviette que j'allume pas, mais à un moment donné, il m'avait mis un radiateur. Le thermostat, il était au sol, quoi. Fallait que je me mette à plat ventre pour l'allumer ou pas l'allumer. Mais bon, et je leur ai dit non, mais j'en veux pas. J'ai réussi à obtenir celui-là. Hein. Ah bah de toute façon, je leur avais dit, je ne veux aucun radiateur. Bah vous me foutez rien là. Mais à un moment, il faut se fâcher. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc ça, je vous dis, cette pendule là, ah putain, mais je peux plus l'encaisser, quoi. Bon, je me montre encore pour vous dire au revoir. Hein. Mais vous avez vu sans deck le boulot, quoi. C'est impressionnant tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai à faire encore. Hein. Le meuble de cuisine, c'est pas moi qui vais le monter. Hein. Voilà, donc eh ben, écoutez, je voulais que vous puissiez voir tout le bazar que je fais en ce moment. Je n'arrête pas, mais vraiment, tous les jours, je fais des trucs, quoi. Ben, c'était où je changeais tout, ou je déménageais, quoi. Ben non, parce que c'est toujours sombre. Hein. Je tiens à le signaler. Hein. Voilà. Ils vont aller à Gué au mois de septembre. Donc, je vais me passer l'été comme ça, dans ce tombeau, quoi. Bref. Donc, c'était où ça, où je foutais le camp. Il fallait que je change tout. Il faut que je change tout. J'ai pas fini. Écoutez, sur ce, ben, je vous quitte, hein, parce que j'ai du travail encore. Je vous envoie des tonnes de bisous, avec une seule main. Wouhou! Et je vous dis ciao, ciao. Et en attendant, si ça tremble, hein, ne dites rien. Hein.